Ah, je crois c'est là. Je crois c'est là, faut que je passe par là. C'est ici, je crois. Oh, la vie de ma mère, il est là. Oh, je stressais à aller fou. Oh, je stressais à aller fou. Bouge plus, 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 bouge plus. Je suis qu'un simple laborantin, qu'est-ce Bouge plus, bouge plus, tu vas me donner ton téléphone, tout ce que t'as sur toi. Je vous donne tout, Bouge plus. Je vous donne tout. Écoute-moi bien, tu fais pas un seul bruit, y a d'autres employés. Si tu convoques d'autres employés, je te bute, ok? Non, nous sommes le samedi, je suis le seul à refaire les stocks. Ok. C'était quoi les ingrédients? C'était quoi les ingrédients? C'était quoi les ingrédients? Qu'est-ce que je dois faire? Écoute-moi bien. Ouais. T'as des composants chimiques ici. T'as tout type de composants, on est d'accord? Oui, effectivement, je refais tous les stocks. Ok, ok, qu'est-ce ok. Qu'il vous faut? Franchement, c'est ça. Ok, tu vas me donner de la lécithine. Tu vas me chercher de la lécithine. Très De bien. l'huile minérale. Très bien. Merde. Et du RDX. Oh, du RDX. Vous voulez faire des explosifs? Non, non, non. C'est pour ma consommation personnelle. J'ai une maladie grave et je dois me soigner. Il faut qu'on aille au laboratoire directement. Est-ce que vous... Il est où le laboratoire? Je vous y emmène. Venez. Attendez, attendez, c'est pas filmé. Désactive les caméras, c'est où pour désactiver les caméras? Je vais marcher avec toi, je vais marcher avec toi, comme si de rien n'était. Regarde, je vais ranger mon arme. C'est juste à gauche. Tu vas, je suis derrière toi, tu fais le moindre truc suspect, t'es un homme mort. On va aller désactiver les caméras ensemble. Très bien. Je dois quand même vous prévenir d'une chose, monsieur. C'est qu'il y a une alarme silencieuse. Comment ça? C'est-à-dire que quand on rentre sans badge, une alarme prévient la LSPD. Oh putain, ok, ok. Oh putain, c'est-à-dire la LSPD vont débarquer direct dès qu'il va me donner les trucs. Oh là. Moi je fais juste des stocks, je veux pas qu'il m'arrive quelque chose. Alors, c'est ce fil-là. Ok. D'accord. Je vous emmène là où on cache. Franchement, on stocke tous les composants. Je vous suis. Allez, allez, fais vite. Force pas Y a pas de soucis, y a pas à être violent. Alors, c'est pas oh, aussi. Arrête de te chier dessus là, je rigole avec toi. Hein. Je suis un bon gars, mais... J'ai pas l'habitude... Fais bien ton boulot, c'est tout. Sur la tête. Oui, y'a pas de soucis. Ouais, ouais, pas de soucis, pas de soucis. Vas-y, vas-y, avance. Ferme ta gueule un peu, là. Oh, Zappy. Tous les produits sont ici. Faut juste me laisser le temps de... Les répertorier, les sortir. Ok, je vous attends. Oui. Vous mettez tout dans mon sac. Quota combien que je m'en sors? Est-ce que je m'en sors ou pas? Ah ouais, vous croyez pas en moi? Alors, donc il y a ça juste ici. Ah. Je vous surveille, faites vite. Et cette boîte là. Voilà, il y a tout. Il y a tout, mets tout dans mon sac. Voilà. Et voici le dossier avec la formule. Ok, maintenant accompagne-moi, sors, viens. Oui. Marche, marche devant, raccompagne-moi vers la sortie où on était. J'ai aucun sens de la rotation, bordel.
Fais vite, putain. Y'a pas de problème. Je vais te casser le cul, oncle. Je suis désolé. L'alarme, elle s'est déclenchée ou pas? Oui. Putain, vas-y, fais vite. Qu'est-ce que je dois faire? Je sors avec vous? Viens. Viens là, tu vas pas bouger. Putain de merde. Monte dans la voiture. Oui, très bien. Ils sont où là? Ils arrivent devant l'entrée, c'est ça? Ils ont peut-être gardé l'entrée, oui, effectivement. Putain. Notre agent de sécurité a reçu un appel juste là-bas. Est-ce que vous voulez que je les prévienne que vous avez un otage? Ouais, dites-leur que j'ai un otage. Écoute-moi bien. Tu vas te mettre au volant de la voiture. Oui. Je vais te mettre une pause. Oui. Tu vas me conduire jusqu'à là-bas quand ils vont arriver, ok? Très bien. Tu vas me conduire jusqu'à là-bas. Dès qu'ils arrivent, tu vas jusqu'à là-bas. Très bien. Tu vas parler aux policiers. Oui. Tu vas leur dire. Je suis l'autre. J'ai tout le matériau. Faites attention, cette voiture peut exploser. Suivez-moi doucement et me rentrez pas dedans, cette voiture peut exploser. Oui. Tu vas leur dire ça. Et tu vas à la destination que je vais te donner, ok? Très bien, pas de problème, monsieur. Tu fais le moindre truc de travers, je te mets une balle dans le crâne, fils de pute, tu m'entends? Je ferai pas. Je vais juste rentrer chez moi. Ta gueule! Je te buterai, ta femme, je vais la baiser. J'ai pas de femme. Bah ta mère alors. Elle est morte. Ton frère. T'as un frère? Oui. Ah putain, tu vas me dire non, je vais pas baiser ton kleps là quand même là, putain. Tu casses les couilles là. Human Labs encerclé, personne ne peut entrer dans le périmètre, la LSPD prend le relais. Il y aura beaucoup de gens sur vous. Oula. Oula. Bordel de merde, t'as intérêt à pas te rater, t'as intérêt à bien conduire, je vais péter un plomb. Wesh, une, deux. Ok, je descends pour trois, leur dire, c'est ça. Quatre. Tu vas leur dire que la voiture elle est remplie d'explosifs, tu dis pas que je suis dans le coffre. Et qu'ils ont intérêt à faire attention. Oh. Bonsoir. Oh, bonsoir. Bon. Le négociateur c'est qui? Ah, ça va être moi, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, ça va être triple zéro, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, vous revendiquez quoi? Je ne revendique rien, je suis le laborantin de ce labo. J'ai été pris. Oui, j'ai été pris en otage. Et la voiture est remplie. Elle est piégée, on sait, on est habitué. De composants explosifs. On recule un petit peu, voiture explosive. Vas-y, maintenant t'avances et tu vas à la position. Avance. Avance. Dis-leur de faire attention. Laissez-le passer, laissez-le passer. Au revoir. Ils vont me laisser? Mais si. Mais let's go. Mais let's go. Il y a un hélico. Ils ont peur. Il y a un hélico. Fallait peut-être négocier que l'hélico s'en aille. Ils arrivent. Vas-y, prends. Suis. Suis ce que je t'ai mis. Et fais attention, pas le moindre choc. Ou je pète un plomb. Oui, bien sûr. Je pense que si on a un choc, on va juste péter tout court. Ouais. Ils sont derrière, je les ai vus. Attends, arrête-toi. Arrête-toi. Oui. On les a perdus? Je crois que tu les as déjà semés. C'était l'adrénaline.
Mais ils sont sérieux là? Mais ils sont trop nuls, c'est quoi ces keufs? Mais let's go. Je crois qu'ils se sont chiés dessus, mon pote. Félicitations. Bon. On peut partir. Non, 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 va côté passager. Oui. Mais wesh. Je pensais pas qu'ils allaient se chier dessus comme ça. Je pensais que ça serait plus corsé. Un lieu privé comme ça est dangereux, je pensais. Je pensais même que j'allais. Ça allait être terminé pour moi aujourd'hui. Oh putain. Y'a la police qui me rappelle. Quoi? Y'a la police qui me rappelle. Ah, réponds, dis-leur, ils veulent quoi? Oui, allô? Oui. Le problème, c'est que vos collègues l'ont déjà laissé partir sans suivre. Dis-le. Il y avait un certain 000, mais personne n'a suivi, monsieur l'agent. Je peux dire quoi, monsieur? Mais wesh, c'est abusé, j'ai... Je suis prise en otage. Non. Tiens, je vais te déposer, je vais te déposer. Tout va bien. Et dis-leur que dis-leur de ma part que c'est des ânes, c'est des branleurs. Et merci pour tout. Je cite de la part du preneur d'otage. Vous êtes des ânes de pas avoir suivi et que du coup il va me libérer dans la route et merci pour les produits. Dis-leur merci pour les clients fidèles. Et il a dit, je cite, merci pour les clients fidèles. C'est pas. J'habite ici. Descends, connard. Descends! Au revoir, pardon. Excusez-moi. Vas-y. Bon, bah. Facile, hein. Par contre, j'ai changé de voiture. Franchement, c'est ça. Allô? Allô? Ouais, monsieur McBernick! Allô? Ouais, vous m'entendez, monsieur McBernick? Ouais, je vous entends. Quel calvaire ce téléphone ce soir? Ouais, mais. Faudra vraiment régler les problèmes de banquier parce que si vous êtes pas là et qu'on veut retirer de l'argent, c'est vraiment compliqué. Bah, je suis tout le temps là, moi, quasiment. Ah, vous êtes tout le temps là? Quasiment. Bah, je peux passer? Absolument, absolument. Bah, envoyez-moi votre position, s'il vous plaît. Je suis à la Pacific Standard. Ok, j'arrive. Zabi. Allô? Désolé, Lorio, j'ai un peu de retard parce que. T'as vu, maintenant pour les banques, faut direct aller voir le banquier pour retirer ses chiens. Du coup, là, j'ai un peu de retard. J'arrive. Vas-y. Mais allô? Allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais, faut qu'on se voit ce soir parce qu'apparemment, t'aurais dit des informations à Carlos et j'aimerais bien en savoir un peu plus. J'ai dit quoi, moi? J'ai rien dit. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bon, bah, j'ai dû me tromper du coup. Bah, ouais, je crois que tu t'es trompé là, putain. Ok, bah du coup, Que j'ai parlé à Vertugo. Ouais. Non, il m'a normal avoué que... Elle m'a dit de baiser bien. Ouais, on baisse de ouf, gros. Et des fois, on fait des positions, on s'accroche au plafond, et il met son couteau sous la gorge et tout, c'est un truc de malade, genre. Vas-y, bonne soirée. Vous m'entendez? Ouais, Trude. Ouais, j'ai un peu de retard parce que maintenant, tu sais, pour retirer de l'argent, t'es obligé de passer par le banquier, tu peux plus passer par les guichets. Du coup, là, j'ai avoir un peu de retard. Juste ah, c'est de la merde. Ouais, c'est chiant. Ok, d'accord. J'arrive. Bah, je t'entends à la position, vas-y. Alors, du coup. Vas-y. Oh! Attention! N'attaquez pas mes clients comme ça, voyons. Pas... Ah, non, parce qu'il a... Il m'a dit il est bloqué. Pardon. Ça va, monsieur? Bien, et vous? Ah, merde. Je voulais répondre. Et il est comme ça, et c'est... Bon, il attend un membre de sa famille depuis un moment maintenant, mais... Ferme ta gueule, j'attends personne, fils de pute de banquier. Ah, c'est bien. On va appeler la sécurité. Nique ta mère, sale banquier de merde.
Ça fait 10 ans, j'attends que tu me files mes sous, fils de pute. Sans SDF, tu vas passer avant moi. Ouais, mais écoutez, monsieur, le SDF a plus d'argent à gérer que vous, visiblement, monsieur. Non, mais vous pouvez le prendre, vous pouvez le prendre. C'est sa mère la pute que je prends. Oula. Ouais, mais vous en faites pas, monsieur, la police est en route, elle va venir s'occuper de vous. Voilà, voilà. Bah, je vous laisse patienter là, comme à votre habitude. Très bien, bah, vous direz ça à l'agent de la LSPD. Alors, du coup, c'était pourquoi cette semaine? Alors, tenez. Ah, c'est pour votre association, c'est ça? Exactement. Parfait. Ah, mais écoutez, comme convenu, il n'y a pas de frais de dossier pour, oh, c'est gentil, ça, pour c'est cette gentil. Transaction, comme il était convenu. Écoutez, je m'occupe de tout, je vous laisse patienter. J'attends. Comment t'es petit? C'est tout bon pour moi. Ouais, j'étais grave petit. Pardon? Non, pardon. Du coup, je voulais dire, je voudrais prendre l'argent que par rapport à ça, et je voudrais. Je voudrais que vous me retirez aussi de l'argent de mon compte. Ok, alors dites-moi le total. En plus, je voudrais retirer. Je voudrais prendre. 400 000. 400 000 en plus ou 400 000 au total? Au total. Voilà, parce que l'argent que vous venez de déposer est déjà sur votre compte actuellement. Ok, j'aimerais prendre 400 000. Très bien, j'arrive. Franchement, c'est ça. Peut-être je l'ai mal collé. Alors, du coup. Je crois que vous avez. Il y a un livreur qui est passé là. Un livreur qui est passé. Ouais, je sais pas ce que vous attendez là, vous avez commandé quelque chose, je sais pas, il m'a dit. J'avais rien demandé à la base, alors attendez. Ouais, il y a un livreur qui est passé, il vous a déposé ça là. Mais c'est grand, hein, mais... apparemment c'est pour des plaisirs personnels, je sais pas ce que c'est du plastique apparemment. Ah, mais ça vient du Japon, non? C'est mes poupées. Peut-être. Voilà. Voilà. Ok, bah je mets tout dans mon sac. Faites donc. Hop. Merci énormément. Avec plaisir, hein. Et prenez soin de vous, on se check. Hop. Ouais, comme si des vous potes. Voulez. Ouais. Tac. Voilà, check. Hop. Voilà, check. Je vous ai... Attendez. Non, mais check pas, fils de pute. Je vais vous check aussi. Oh voilà. Allez, bonne journée. Fils de pute. Descends, descends, descends. C'est bon, laisse. On a ce truc sur nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, On a ce truc sur nous là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Vous êtes qui? On a ce truc sur nous dans un véhicule. Il me fatigue. C'est bon, oh Strud, écoute. Quoi? Lâche ton arme, baisse ton arme. On a tout vu, on a tout réglé, tu peux te barrer. Régler quoi? Oh. Quoi? Quoi? Putain, comment ça, quoi? Quoi, comment ça, quoi, toi? On a tout vu avec tout le monde, tu peux baisser ton arme. On avait tout vu avec Mads, maintenant c'est bon, bouge. C'est vu avec Mads, Strud. Bouge-toi, bouge. Comment ça, bouge? Vous êtes qui? Eh voilà, bouge. Levez vos mains, levez le mal. Le premier qui tire, qui bouge, je la fiche. Mais non, mais c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Putain, mais prévenez, vous êtes débile ou quoi? J'ai prévenu ma radio, je pouvais pas prévenir tout le monde. C'est qui le mec dans la voiture? C'est qui le mec? C'est bon, c'est bon. Les gars, vous aurez pas un peu d'argent? Sors de la coachée tout de suite, sors tout de suite. Tu fais quoi ici? Rien, non, c'est bon, laissez-le partir, c'est bon, c'est vas-y, bon. Vas-y, dégage de là, s'il te plaît. Je sais ce qu'il faisait, laissez-le partir, c'est bon, j'ai tenu le problème avec un ami avant. Eh, parle-moi bien, toi, me dis pas dégage, connard. Non, rentre dans ta voiture et pars. C'est bon, j'y vais. Attention à qui tu parles, quand même. Par contre, je crois qu'il a envoyé déposer à quelqu'un, ben, il avait son téléphone, donc bougez. Hein. Avec ta capote sur la tête, là. Aïe. Venez, on bouge, bougez. T'es sûr? Allô? Ils ont arrêté de dire. Il avait son téléphone. Je me suis fait sauter par 20 000 personnes. Il y avait des gens que je. C'est pour ça que je t'ai envoyé une nouvelle position, parce que je les avais vus. Mais c'est pas tes potes, eux? Non, c'est pas mes potes. Enfin, ils travaillent avec moi, j'aurais dit d'arrêter de te suivre normalement. Ouais, c'est bon. C'est pour ça qu'ils ont annulé, mais ils m'ont tous braqué, putain.
Ouais, non, mais c'est parce qu'ils sont excités, t'inquiète. Vas-y, viens à la position. C'est juste à côté. Ou tu veux que je vienne te chercher carrément? Tu veux quoi, toi? Bouge de là. Bisous. Bouge de là ou je te tire dessus. Bouge de là. T'as pas envie de faire ça, Scrooge, je te le dis, hein. Non, c'est vrai que j'ai pas envie de faire ça. Comment ils ont débarqué de nulle part, quoi? Zabi! Eh, je suis pisté ou quoi, là? Vas-y, laissez-moi, là! Ouais, s'ils me suivent, c'est pas grave! Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, parce que putain, ils sont 20 000. Vas-y, j'arrive. Ouais, ça roule! Ça roule, Strode. Là. Ah, Strode, t'es timide. Oh, désolé. Bah, viens, on rentre. Ça va, tu vas bien? Si tu veux. Ça roule, toi, depuis le temps? Ça va. Tu faisais quoi avec ces gars-là? Ils m'ont dit, ils étaient en rendez-vous avec toi. T'as dit quoi? Tu faisais quoi avec ces gars-là? Ils m'ont dit, ils étaient en rendez-vous avec toi. Ah non, ils ont pas rendez-vous avec moi, justement. Bah, ils m'ont dit ça. Ah bon? Moi, je sais pas, je rappellerai pour voir s'ils veulent un rendez-vous. Ah non, mais là, tu mens, là, parce qu'ils m'ont dit... On vient de chez Mads, il va voir Mads, on est au courant. Ouais, là, ils viennent me voir, moi, enfin... Ils t'ont vu, toi. En fait, moi, je t'ai envoyé une position à un endroit, tu te rappelles? Ouais. Et bah, cet endroit-là, eux, ils venaient aussi pour y faire un rendez-vous. Moi, je savais pas qui c'était à ce moment-là, donc je me suis barré. Mais eux, ils m'ont reconnu. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, Mads, c'est nous. T'inquiète, nanana. Tu vois? Je dis, ok, pas de problème. Moi, après, je t'ai envoyé une nouvelle position ici, je t'ai dit, viens ici, va pas à l'ancienne. Ils faisaient quoi ensemble? Parce qu'ils m'ont dit, ils étaient avec toi. Mais non, ils étaient pas avec moi. Et ils m'ont dit ça! Et bah alors, je sais pas, ils t'ont dit du bain, mais j'étais pas avec eux. Ok, bon, bah, peut-être qu'ils mentent alors. Bam! Tiens, attends, je mets tout dans ton sac. Vas-y, nickel. Tu peux te repasser de l'argent? Tu vas me donner combien? 200. Je lui donne combien? Je sais même pas. Peut-être ça va passer. Je sais pas, je crois. Nickel. Et dis-moi, tu veux pas donner plus? Bah là, je te donne 200. Prochaine fois, je te donnerai 300. C'est bon? Ok, vas-y. Je mets tout ça dans ma mallette. Merci, mon pote. T'inquiète. Bon, si t'as besoin de quoi que ce soit, hésite pas. Non, ouais, nickel. Et fais attention à tes potes. Beaucoup de gens qui leur parlent du mal. Ils étaient armés ou pas? Je sais pas, mais c'était beaucoup, putain. Je sais pas si avec eux. J'ai vu Effie, mais je sais pas si avec son groupe. Ils étaient vraiment beaucoup, putain. Ah, ok, d'accord. Mais c'était qui? Il y avait pas que son groupe, hein. Il y avait trop de gens là. Je sais pas c'était qui tout ça. Une équipe du 9-1. Freud contrôle plus la ville, t'es dépassé. Mais frérot, j'ai jamais contrôlé la ville, hein. Après, c'est moi, je blanchis tous les gangs. Je vais faire du C4. J'ai créé deux labos. J'ai créé le labo de cocaïne, j'ai les clés. Eh, bref, je vais pas tout déclarer non plus, mais je suis bien quand même. J'ai pas besoin de contrôler toute la ville, tu crois, je suis. Aïe! Ouais, vas-y. Ouais, Sred. Oh bordel. Ça va, vous allez bien? On va arriver. Ça va, et toi, Sred? C'est quoi ce camion de bordel de merde? Là. Ça, c'est notre camion. Salut, Sred. Quoi? Je t'ai attendu pendant au moins une heure. Mais c'est y'a pas de banquier, c'est pas ma faute! Quoi? Y'a pas de banquier, j'ai eu! Quoi? Mais pourquoi tu fais comme ça? Ouais, c'est y'a pas de banquier, mec! Mais c'est bon, on est en train de parler là, c'est une discussion! Bah non, mais j'en peux plus, moi, tout le monde! Mais tout le monde me dit, je me suis mis en retard. Quoi, mais c'est pas de ma faute! T'es devenu complètement fou! Mais c'est pas de ma faute, y'a pas de banquier, mais c'est pas de faute, c'est qui la vie, ce putain encore lui? Ça, c'est un mec, il a un masque collé sur la tête. C'est un nouveau du bal. Oh, on est dans Medivide là ou quoi? Eh, c'est qui ça? Wesh, y'a un corbeau qui s'est fait écraser là! J'ai entendu! Ah, ok! C'est qui toi? Tu t'appelles comment? Je te rappelle mon pote. Oh, boule de billard! Moi je te parle pas, Louis, je te parle pas. Louis, il est à côté du bowling. Quoi? Louis, il est à côté moi, du bowling. Moi je te parle pas.
Non, parle-moi pas. Mais comment ça? Mais t'es là, il faut bien, je veux bien savoir. T'es qui quand même? Je suis en train de parler. Non. C'est le temps. Hey, le respect c'est important, tu me respectes, je te respecte. T'as l'argent avant de commencer ou pas? Mais attends, mais c'est qui lui? Juste d'abord, donne l'argent et après on parle. Attends, bah t'as... qui s'éloigne un peu alors? Éloigne-moi. Viens, s'éloigne. Donne-moi l'argent, moi, c'est à moi la plata. Non, attends. Quoi? C'est ta plata toi, Lorio? Oui. Un plaidé de Lorio? Quoi? Non, rien. Attends, quoi? C'est quoi cette voix là? Non, rien. Et alors? Plaidé de Lorio? Tiens, mets dans le sac. Oui, mais t'as ramené un sac espac. Osred! Osred! Sred! Ouais. Sred! Ouais, oh, dis-moi, t'es de quelle origine? Quoi? En fait, j'ai une question. Est-ce que c'est t'es blanc de couleur sale ou t'es noir de peau? Mais c'est quoi ce racisme? Je suis choqué, attendez! Non, c'est une vraie question. Je te l'ai dit, parce que c'est un raclard. Mais attends, mais c'est grave, mais comment ça? Non, blanc de couleur sale, oh la dinguerie! Attends, non! Mais non! Oh lolo! Je te l'ai dit, hein, que t'es un raciste. Mais c'est... Non mais attends, c'est mais... Vrai, c'est vraiment raciste, je crois que je vais parler qu'à Lorio maintenant, là, c'est bizarre un peu, là. Non, mais là, t'as pas compris. Est-ce que tu t'es roulé dans la boue? Ouah. Oula. J'ai pas... t'as compris. Mais t'es de quelle origine? Quoi? T'es de quelle origine? Oh, j'ai trois origines, je suis un peu tout, je suis mauritanien. Ah voilà, donc t'es... Donc en toute amitié, t'es... Non, je suis un Renoir, non, je suis pas blanc de couleur sale, non, pas du tout. Voilà, t'es un frère Renoir. Ouais, voilà. Voilà. Mais quand je dis blanc, en fait, blanc de couleur sale, c'est vrai, c'est mal interprété. Mais t'as vu, d'habitude, les SDF, ils sont blancs, mais sales. Okay. Et toi, t'es un peu sale. Mais attends, mais par contre, c'est qui lui? Parce qu'il a trop les oreilles à côté des murs, pourquoi vous pouvez... Je le connais pas plus que ça, tu vois, c'est... Bah fais-le sortir de ton barrio si tu le connais pas, ce Non, il t'inquiète. Je vais t'expliquer. C'est encore un petit t'expliquer. Petit, là C'est un futur petit que quelqu'un m'a envoyé et que je le connais pas, en fait. T'es un petit, toi? C'est pour ça. Je t'ai dit quoi? Comment ça, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi, tout à l'heure? Comment ça, tu m'as dit quoi, tout à l'heure? Qu'est-ce que je t'ai dit, tout à l'heure? Comment ça, qu'est-ce que je t'ai dit, tout à l'heure? Mais t'es un malade, mais comment ça? Mais je comprends pas ce qu'il raconte. Mais qu'est-ce qui se passe, Vertugo? Tu peux m'expliquer? C'est rien, non, mais t'as vu, quand je t'ai dit, tu parles avec moi, tranquille, les petits, les quelques... Mais non, mais les petits, il faut qu'ils respectent, tu vois, c'est un petit, il faut qu'ils me respectent. Mais il veut... est-ce que tu vois du jeune? Ça, je suis encore en train de le former, là. Ouais, mais quand il y a un petit... Écoute-moi. T'as vu, les petits, quand ils viennent de la guerre et tout, ils sont énervés, ils veulent que personne leur parle. Mais moi, je parle pas trop avec lui, moi, je lui dis ce qu'il y a à faire. Vertugo, je te vois avec les petits. Je te vois comment tu leur parles, non, aux petits. Regarde, Guapo, il est plus là. Je l'ai viré. Les fois, les petits, quand ils viennent, tu leur dis de rester loin. Tu leur dis de... Tu te rappelles le petit de la dernière fois, là, que je l'appelle trop du cul, ouais, comment il s'appelle? Je sais pas. Mais regarde, est-ce qu'on parle de trucs? On parle de rien, donc ça va. Si, c'est important ce qu'on fait, c'est pas des lol. Comme disent les jeunes. Non, ça tout le monde est au courant. Je te parle les autres... Ouais, bah on parle de choses importantes, je rigole pas avec ça. Il y a un mec masqué qui arrive et qui me parle comme si c'était la... Non, je t'ai pas parlé, c'est toi qui m'as parlé. Bah ouais, je te parle parce que je te demande qu'est-ce que tu fais de ma mère. Putain, je casse les couilles. Ça avance le truc ou pas? Ça avance. Mais attends... Ah, combien de temps à peu près? Attends, mais putain, il fait flipper, je sens un fantôme qui vient. Non, c'est Calavera. C'est une Calavera. C'est un petit qui... C'est une Calavera. T'as compris qu'il a sur la tête? Une Calavera, c'est... Me parle pas. Quoi? Me parle pas. Pourquoi? Me parle pas. Est-ce que je te parle? Non, alors me parle pas. Ah, mais tu parles... Me parle pas. Attends, pourquoi il y a... Ah, il est là. Voilà. Ah, il t'appelle. Il est là. Bonjour, monsieur. Ah, vieille... Qu'est-ce que tu fous encore la vieille bordille? Toujours fourré dans les mauvais coups, hein? Bah, ils veulent me te faire des dons pour mon association. Oui, bien sûr. Oui, ton association de quoi? Écoute-moi bien, Super Mario. T'as vu, moi je t'aime bien. Toi, tu m'aimes pas. C'est une relation qui n'est pas fusionnelle. Mais t'as les mouches, elles volent autour de toi. Si tu veux pas... Combien de temps que t'as pas touché le savon? Écoute, tu vois ta coupe, là?
avec ton petit trou au milieu. Si tu veux pas que je fasse un petit fleuve de caca au milieu de ton crâne sur ta raie qui va dégouliner sur tes putains de yeux globuleux, je vais te chier dessus, bordel de merde, Mr Bean, tu comprends ça? Même si on ne tape pas dans le caca parce que ça éclabousse, attention, c'est le Golden Fist, hein. Tu ne connais pas. Attendez, je le réanime. Putain, il faut absolument une. Vertugo, Vertugo. Ah, elle fait mal la mallette là. Ah, elle fait mal la mallette. Vertugo. Oh, fait mal la mallette. Je la veux. Je veux la mallette. Tu veux la mallette? Attends, je vais aller voir Vertugo. Tu as fait l'agression de quelqu'un, donne-moi la mallette. Oh merde, pardon. Alors là, attention, je sors le sac. Désolé. Il va être fâché après. Oh, attendez, ma mère m'appelle, deux secondes. Ah. Je vais te mettre un coup de sac. Attendez, allô, c'est qui? Oh non. Non, c'est pour maman. C'est qui? C'est vous, vous êtes bien l'association des SDF? Ouais, c'est ça. Y'a un banquier qui m'a filé votre numéro parce que j'arrivais pas à faire un prêt à $1 million. Ça serait pour savoir si vous pouviez me les filer, du coup, ou savoir c'était quoi le but de votre association. Ok, garde mon numéro, on se va dans pas longtemps, ok? Ouais, y'a pas de soucis. Vas-y, je te recontacte, trou du cul, vas-y. Double agression sur officier de police. Non, mais attendez, mais vous avez un katana, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Mais t'as un plomb, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Katana de la justice. Tu m'as mis le coup de mallette sur le katana. Non, arrête, s'il te plaît. Arrêtez-le. Non, monsieur. Vous comprenez pas d'arrêter le. Monsieur l'agent, comment vous vous appelez? Comment vous appelez ici? J'ai encore mal, j'ai pas. On arrête un agresseur de police de type SDF. Non, laissez-le tranquille lui, vas-y, bougez de là. Voilà. Voilà. Quelle mallette? Vas-y, bougez de là, qu'est-ce que vous faites dans le quartier, vous êtes fous quoi vous? Bougez de là, je suis en train de discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent l'embarquer. Non, tu t'embarques pas, tu manques de respect hein. Attends, faut pas qu'ils m'entendent. Viens, va plus loin. Je lui ai rien dit, j'ai pris un coup de mallette. Oh putain, mais c'est quoi ce casse-cou, j'en peux plus. Ah, t'es pas tombé sur le nez. Eh, je peux te parler de. Viens. Ouais, je peux te parler deux secondes. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu m'aimes bien? Je suis pas quitté. Enfin, ouais, si, t'es le mec qui nous a parlé de la botte-coque. Bah, ouais, forcément, quand même je t'aime tout bien. Fait pour vous, frère. Je t'aime bien. C'est moi qui vous blanchis, qui vous ai ramené la botte-coque. C'est moi qui fais vivre. Ah, c'est toi qui blanchis? C'est toi qui a mis un plan à notre collègue tout à l'heure? Non, c'est je vais tout donner là. Ok. Enfin, c'est pas vraiment moi qui blanchis, je suis l'entremetteur quoi. Mais c'est qui le mec avec le casque là tout à l'heure? Il manque de respect depuis tout à l'heure. Il y a un mec avec un masque, avec un squelette, tu l'as vu? Un masque avec un squelette? Ah, bien ouais. En jaune? Non, il était tout en noir. Je sais pas qui c'est, dans notre quartier? Eh, prends mon numéro. Ouais. 99-23. Ah, vas-y, va t'excuser si comme tu, ça, moi si il tu bouge. Le revois, tu me tiens au jus et tu essayes de voir s'il te plaît parce que il me manque de respect alors que c'est un petit, tu vois. Et moi j'aime pas qu'on manque de respect. Ouais, t'inquiète, ok. Vas-y. Alors, pas. Mais monsieur Michel, je m'excuse à votre collègue pour le coup de mallette, vraiment désolé. Ah, j'accepte vos excuses. Et je m'excuse pour avoir touché vos beaux cheveux soyeux, mais soi-disant quand même un peu. Faut le dire, ils sont un peu gras. Le discours de vos collègues du barrio m'a touché. Ils ont dit, je cite, c'est un pauvre homme qui n'a rien dans la vie, un SDF qui sait pas où dormir, qui n'est pas en plus pas très intelligent, ni très intéressant et charismatique. Et qui sent mauvais. Alors, s'il vous plaît, Michel, laissez-le partir. Attendez, mais il y a ma bio sur Wikipédia. Rien dans la vie, je te laisse partir. Bah là, vraiment, non, c'est apparemment, il vous connaît bien, je pense. Ça s'appelle être cultivé, espèce de tête de con. Pas d'insulte. Oh. Non, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Michel, tu redonnes l'agent. Monsieur l'agent. Il m'a mis un coup de mallette. Tu sais oui, tout mais pas oui, excusé. Mais c'est bon. Et c'est pas parce qu'il a mis un coup de mallette que vous pouvez mettre cette excuse de partout. Non mais là, il m'a manqué de respect. Ok, bah allez, je crois, c'est mieux. Je vais t'attraper, reviens. Super punch. Michel, arrête de crier, pour favor. Oh, monsieur, ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, monsieur? Mais qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est tapé tout seul, ah bah voilà. Vas-y, s'il vous plaît. Allez, on y va, Michel. Et vas-y, s'il vous plaît.
Oh, bah, bonne journée, bonne journée, messieurs les policiers. De déchets humains. On se reverra, Gervinho. Okay, okay. Oh, comment ça, déchets humains? C'est bon, laissez partir. C'est vous les déchets? Oh, c'est qui eux? C'est bon, les policiers sont partis. Vas-y, je sais. C'est qui eux là, les deux là? C'est des policiers. Arrête de venir ici et me demander c'est qui. Mais comment ça, arrête de me demander? Mais parce qu'il y a du monde là qui tourne. Ils sont partis. Mais c'est ton barrio, il y a des mecs dans ton quartier. Mais oui, mais toi aussi. C'est pas Châtelet ici. C'est quoi ça? C'est bon, il n'y a plus personne. Châtelet, c'est un endroit en Europe, tout le monde fréquente. Il y a tout le monde. Ouais, donc ouais. Oh non. Ça avance dans le truc ou pas? Pas lui encore, putain. Non, s'il te plaît, concentre-toi. Je vais lui niquer sa mère. Arrête, Sred. Je vais lui niquer sa mère. Sred, tu parles avec moi là, s'il te plaît, vas-y. Ça avance le truc ou pas? Pour savoir. Ouais, ça avance. Ça en est où presque? Ouais. Ça avance. Ça en est où? Bah, ça avance, je te dirai quand c'est prêt, je t'ai dit, c'est pas comme l'autre c'était déjà prêt. Là, c'est okay, sans un truc, t'inquiète pas, ça arrive. C'est bon. Parfait. De toute façon, j'ai le numéro de l'autre, Vas-y, on se recourt alors. T'as de l'argent encore à... Non, pas encore, bientôt. Normalement, ce soir ou demain, je t'appelle, c'est bon? Là, on l'a pas fait là. Ok, et dans 3-4 jours, faut que je passe, le médecin il va réclamer son petit pourcentage, ok? Ok, claro. Combien il veut? Il veut combien? Bah, faut que vous soyez honnête sur vos. Par rapport à vos. Vas-y, c'est bon. Non, t'inquiète, je te dirai tout. Ok. C'est qui lui encore? Vas-y. T'es sérieux, tu le connais? C'est Lorient. Mais putain, mais toi, tu changes de ça toutes les deux. C'est la fashion week. Putain. Lorient aussi, si t'as de l'argent, hésite pas. Bon, vas-y, je te tiens au courant quand j'ai de l'argent. Vas-y, bon. Et toi, va te faire enculer, le petit là. La prochaine fois, tu vas me respecter. Connard! Ouais. Attends. Eh, viens! Eh, t'as vu, tu veux que ton business il tourne? Essaye de m'avoir c'est qui lui. Ouais, essaye de m'avoir c'est qui lui. Chut, t'inquiète. T'as mon numéro. Vas-y. Ouais, vas-y. Bouge la prochaine fois, putain, connard! Ah, oh, Vertuvo, tu peux m'aider? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comment on rentre un truc dans le dark chat là? Par exemple, imaginons, on me dit. Ok, tu fais K, ok? Tu ouvres l'application dark chat. Ouais, j'ai mis ajouter un channel. Ouais, voilà. Et tu mets un nom du channel, le channel que tu veux. Okay. Et le channel, il n'y a pas de chiffre, je crois. Tu peux pas mettre de chiffre, je crois. Tu peux pas mettre de chiffre, mais pourquoi on m'a donné un chiffre? Eh ben alors, ça veut dire que c'est possible. Mais le channel, quand je rentre le nom, je dois mettre... T'appuies sur entrée, et normalement, quand tu rentreras, il y aura soit les messages qu'ils ont déjà été... Soit il sera vierge. Ok, regarde. Là, tu vas faire un dark chat. Tu marques Vagos. C'est tout. Okay, vas-y. Et tu verras. V-A-G-O-S. Vas-y, tu verras. Vas-y. Vois toujours? C'est le feu, wesh. Oh. Ouais. Oh, j'ai flippé, putain. Non, t'inquiète, faut pas flipper, c'est Lewis. Ah, ça va, mon pote? Ça va, et toi? Ça va, ça raconte quoi? Rien. Dis-moi, il se passe quoi avec Epsilon? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, parce que t'as fait des tweets bizarres. Ah, ouais, parce qu'ils m'ont kidnappé, ils m'ont tabassé, c'est tout. Ils t'ont kidnappé, ils t'ont tabassé? Ouais. Je sais pas, pourtant ils veulent pas le bien pour le peuple. Bah si, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas compris, mais... Mais pourquoi, vous les aimez pas, vous m'avez dit? Bah... Ouais, on a... Ouais, voilà quoi, c'est... Du coup, tu connais... T'as vu leur visage, quoi? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'en ai vu un. Qui ça? Ah, mais je sais pas si je peux te dire. Bah, dis-moi.
je te fais confiance, hein. Vas-y, dis-moi. T'es sûr? Mais tu, oui, tu me donnes quoi en échange? Je sais pas, mais si jamais on arrive à en attraper un, on peut te le choper et te le ramener à toi, comme ça tu le tabasses, hein. Ah ouais? Ouais. C'est un mec de gang, t'es pas au courant? Un mec de gang? Ouais, moi je le veux pas, je veux juste que si t'as un plan sous, un braquage ou quoi un jour, tu m'appelles, ok? Comment ça, un mec? Ouais, vas-y. C'est Junior, des Families. Junior? Ouais. Il fait partie d'Epsilon? Ouais. Il joue bien, il cache bien son jeu, hein. Tu te fous pas un peu de ma gueule? Non, vraiment. T'as frère. Junior? Ah, tu me demandes des trucs, après tu me dis je te me fous de ta gueule à un moment donné. Non, t'inquiète, je te fais confiance, mais. Avec un chien là! Ouais, avec un chien là! Avec un chien là, putain! Écoute, t'as calme pisté! Ouais? T'as calme pisté? Quoi? Évite de chanter, je vais te niquer ta mère! Eh, parle-le par contre, si tu veux que je le chope, je l'encule! Je comprends pas ce que tu racontes, parle français, fils de pute! Bref, fils de pute! Et du coup, ton Junior là! Ah, tu sais même pas insulter, c'est de grave. T'es vraiment. Eh, nique ta mère, t'es nique un ta trou mère. Du cul humain. Eh, nique putain. Ta mère. Ah, nique ta mère. Ah, c'est bon, pleure pas, c'est bon. Oh. Okay. Ah, nique ta mère. Ferme ta gueule, bref, hein. Junior, tu m'as dit, c'est ça? Ferme ta gueule, bref. Bref, ouais. Bah, info ouais. Sûr. Écoute, moi, ouais, mais hé, j'ai juré tu m'es redevable maintenant, je veux que tu m'emmènes dans des plans sous maintenant. Ma grosse bite. Mais comment ça? Ah, il m'a raccroché. Ah, je suis mort, sa mère. Fils de pute, hein. Allô? Allô? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, t'es en forme, toi? Ouais! Eh hey, Lucien, tu sais pas s'il est là ou s'il y a pas un autre huissier? Non, il est titulaire, il y a pas de remplaçant. Il dort là? Ah, t'es dégueulasse. Ta gueule. Bah, il dort. C'est samedi, il dort. Putain, ça veut dire là si je veux faire des déclarations, des trucs, des. Ou genre quoi? Tu vas faire des déclarations d'impôts, toi? Mais non, mais pour l'association, les dons. Ah ouais? Bah oui, faut que je les déclare. Tu fais demain? Bah, ok, ouais. Bah. Putain, mais parce que le banquier commence à me dire ouais, faut que t'ailles voir l'huissier parce que les dons que tu fais rentrer, faut que ce soit déclaré, je peux pas tout encaisser comme ça, nanani, nanana, ah ouais. Fils de pute. Et du coup, moi, je putain, l'huissier, je vais attendre demain là. Ouais, tu dois faire ta déclaration demain. Hein. Ok, fils de pute. Bah, vas-y, on se répète. Vas-y, frérot, vas-y. Vas-y. Allô? Oui, je suis en train de réfléchir à votre situation actuellement. Oui. Ce qui va se passer, c'est que là, actuellement, vous êtes à environ à 940 000 dollars sur votre compte association. Ouais. Ce qui va se passer, c'est que je vais transférer de ce compte, je vais reprendre 800 000 dollars qui vont être transférés à Zurich sur un compte offshore pour que ce soit plus discret. Évidemment, il n'y aura pas de trace écrite là-dessus, il faut juste votre accord oral. Et de toute façon, quand vous avez besoin de retirer, vous passez par moi. Donc moi, je pourrais les contacter. Mais si jamais il y a une enquête et que quelqu'un veut consulter votre compte, il pourra consulter que vos comptes associations là. Il n'aura pas accès au compte en Suisse. Donc si vous me donnez l'accord, je procède à ça. Il n'y aura pas de charge supplémentaire par rapport à ce virement. Mais je pense que c'est plus au niveau de la sécurité, c'est plus prometteur de passer par ce système. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Parce que là, actuellement, s'il y a des soupçons qui se portent à votre égard et que je reçois des inspecteurs du FBI qui veulent consulter votre compte, j'ai dans l'obligation de leur donner accès. Alors que si c'est sur un compte offshore à l'étranger, ils n'auront pas accès. Vous m'entendez? Non. Non, vous ne m'entendez pas. Non, je veux pas. J'ai l'huissier là, je vais le voir là, je vais tout déclarer. Ok, très bien. Vous inquiétez pas, tout va être. Comment il s'appelle, putain? Ah, vous inquiétez pas, tout va être déclaré, putain. Lucien, là, j'ai rendez-vous avec lui, je vais tout déclarer. Bon, j'espère que vous savez. Vous inquiétez ce que vous pas, tout sera réglé. Oui, vous inquiétez pas, monsieur le banquier. Monsieur, parfait. On fait de l'argent ensemble. Vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de réglo. Très bien. Mais, je vous tiens au jus.
Très bien, très bien. Ah, bonne soirée. Ça va ouf, lui. Comment il s'appelle le film, là? Où ils veulent déplacer l'argent... Le loup de Wall Street. Lui, il a voulu me faire comme le loup de Wall Street. C'est Jean Dujardin, lui. Le mec en Suisse. Quand il déplace l'argent en Suisse, et après, le mec, Jean Dujardin, il le baisse dans le loup de Wall Street. C'est un ouf, lui. Il est crapuleux, ce banquier. Moi, je fais confiance en personne. Moi, je donne un accord à quelqu'un qui gère mon compte. Ma bite, c'est moi, je gère tout seul. Petit banquier crapuleux, tu vas pas me baiser.